Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ceci est un vlogtober d'un jour où je n'aurai rien à vous faire voir. J'ai les cheveux qui partent en vrille, je viens de quitter mon pull. Donc voilà. C'est fait pour vous présenter un peu mes DM, les diamants de painting. Ceux qui ne connaissent pas, c'est de la broderie de... ce qu'ils appellent de la broderie de diamants. C'est des petits diamants coupés en deux qu'on colle. Comme ça en fait. Alors la colle est déjà dessus, il suffit de poser la couleur correspondante au bon endroit, un peu comme les tableaux de peinture. C'est vraiment, vous prenez, vous posez. C'est très répétitif et du coup c'est très méditatif. Et Christelle de Rêver sa vie en couleur m'a redonné envie de refaire. J'avais arrêté, ça fait plus de 2 ans, bah, c'est simple, j'ai arrêté avant la grossesse, donc ça fait 3 ans, pas loin de 3 ans, que j'avais arrêté. Et ma foi, j'ai très envie de reprendre. Parce que j'ai mal aux mains, voilà, je tricote de trop, alors pour beaucoup je tricote pas beaucoup, mais j'ai le canal carpien, je ne peux pas me faire opérer tant que je porte mon fils, donc il faut que je ralentisse tout simplement, et là j'ai remal aux mains, ça se réveille la nuit, etc, etc, donc c'est la merdouillasse. Donc j'ai un bon tas, parce que moi j'en avais acheté il y a, oh moi 6 ans, 6 ou 7 ans. C'était pas trop la mode en France, c'était pas trop connu, mais sur AliExpress, il y en avait des tonnes et j'avais adoré. Moi, en fait, au début, je croyais que c'était des perles, c'était comme du canevas avec, vous savez, où on tisse des perles. Et ça, c'est pareil, j'en avais fait mais des tonnes quand j'étais gamine et je m'étais dit, bon, bah vas-y, ça, tu fais pareil, tu vas adorer. Et je me rappelle, j'avais entre 25 et 28 ans. J'en avais fait des tonnes, j'avais revendu dans des marchés de Noël. Et j'avais passé plein de commandes, donc chaque année, je crois que ça m'avait duré 4 ans. Ah, c'était bien même il y a plus longtemps. J'avais fait 4 marchés de Noël où vraiment j'avais fait un stand uniquement de ça et ça se vendait très très bien parce que, honnêtement, c'était pas très connu en France. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, je vous fais voir le dernier que j'avais commencé, que j'ai pas fini, que je vais rattaquer. C'en est un très gros, très très gros. C'est un comme ça, voilà. Voilà, qu'est-ce que ça va donner. À la base, c'était une commande qu'une dame n'a jamais honorée. Donc, moi, je m'étais arrêtée un peu dégoûtée. Et honnêtement, eh ben, il fera très bien l'affaire pour moi. Vous voyez, il a même des toiles. La pauvre bête. Ouais, faut juste que je retrouve les machins qui ont les strass auxquels j'ai commencé. Voilà. Lui, ça va être celui que vous allez voir petit à petit. Alors, on va prendre son temps. C'est long, c'est très long, c'est très chronophage. Très très chronophage, mais on n'est pas pressé. Je vous le dis, sur ça vous n'êtes pas pressé. Ensuite voilà, j'ai beaucoup beaucoup de petits pour vous faire voir le beaucoup, c'est beaucoup 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 de petits. Il me reste tout ça de quand j'étais j'allais dire gamine. Et en vrai c'était un peu ça, c'est parce que chez nous on regarde pas beaucoup la télévision, ce qui fait que bah, c'était une période où clairement je la regardais pas, j'étais pas sur les réseaux. Donc du coup, et ben voilà. Vous voyez, il y en a que j'ai encore les bidules. En fait, quand vous commandez, vous recevez ça et ça. Avec le bon nom et tout. Et en fait, faut que je trouve qu'est-ce que je vais mettre derrière sur mes portes. Voilà ce que j'ai décidé. J'ai ça. J'aime bien. Je trouve ça très joli en fait. Peut-être mettre ça dans mes toilettes. Non mais en vrai c'est, pourquoi pas, c'est mignon quand même. Enfin, bon, écoutez, j'ai envie d'en mettre mais je ne sais pas où parce qu'en fait j'ai pas la place, la place nulle part, c'est tout bloqué. Visuellement c'est tout bloqué, donc du coup ouais. Il y avait beaucoup de petits comme ça, donc vous voyez ça c'est tout noir, hein, donc il n'y a pas de strass à poser là, c'est vraiment que sur l'animal qu'il y a des strass à poser. J'avais fait celui-là à mon frère Steven, une plus grosse tête je crois. Lui il est quasiment nanté, il n'y a vraiment que le contour là, là, qu'il n'y en a pas. En fait il y a pareil, c'est que la bestiole. Le chat. Qui est très joli. Enfin, moi j'adore les couleurs alors que vous pensez bien. C'est porter les couleurs qui m'est difficile. Là c'est pareil, c'est que des bestioles. Alors lui par contre je l'ai fait, refait. Il était aussi dans la chambre de mon fils. Il y en a beaucoup que j'ai en double hein, au final, parce que c'est un peu obligé. Lui je vous l'ai fait voir. J'ai celui-là. Trop beau. Je sais pas si. Le truc c'est que ça représente pas. Enfin,
j'ai envie de mettre des trucs ici, sur les portes, pour que ça fasse un peu une petite déco. Et en fait, ça représente pas moi. Vous voyez le truc? Donc, c'est un peu... je sais pas trop comment faire. Donc, c'est un peu bizarre. Lui, je vais le faire. Là, on voit bien les dessins, ce que ça représente, parce que, voilà. Mais... voyez? Mais pour mon fils, je sais qu'il aimerait bien. Ce chat... ou ce chat-là. Lui, je l'ai en double. Donc, typiquement, ça ne sert à rien de l'avoir en double. Lui, je vous l'ai fait voir. La danseuse, le chat violet. Ah, un que j'ai fini, que je n'ai même pas encadré, c'est celui-là. Ah, je pense que je vais l'encadrer, celui-là. Il est chouette, hein. Où le mettre? Je vais mettre là. Je réfléchirai après. Alors lui, typiquement, je ne vais jamais le faire parce que je le trouve pas très joli. Pareil, ça, c'était une commande. Et jamais le trouve. Celui-là, je l'ai vendu X milliards de fois. Il a beaucoup plu. Donc, j'ai pas envie, en fait, de le refaire. Il y a lui que j'ai fini. Très beau, hein, c'est chouette. Que je vais encadrer. Parce que je le trouve vraiment très, très beau. Ah, je vois qu'il y en a... Ah, non, non, ici, il y en a deux qui ont bougé. On va vite les replacer comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont bougé? Ah oui, il y en a un qui est parti. En fait, vous voyez sur la fleur là, vous avez vu le chiffre? Voilà, il y en a un qui est parti. Donc à retrouver, mais voilà, si on met un beau, c'est pas difficile. Les chevaux que je trouve très très beaux. Les loups, donc lui je vais le faire pour mon bébé, il adore les loups. Le chat, celui-là, là, vous voyez, je l'ai en 4 fois au total, je l'ai déjà 4 fois. Lui, avec un papier brillant, un papier non brillant, et en plus, je sais pas, en un tout petit peu plus petit, ouais, un peu différent. Ah, lui, il faut que je le refasse, j'adorais le faire, je le trouvais trop trop beau. Lui, je vais le faire. En priorité, je pense. Je vais adorer. Celui-là, je trouve magnifique. Mais alors, afficher ça où? Chez moi. Aux toilettes. C'est ce que m'a dit mon père. Il m'a dit, tu vas en faire un pour les toilettes, non? Parce que je lui ai dit que c'est dommage, il n'y a rien. Et on a des toilettes qui sont tout vides. Il y a juste la tapisserie. Ça, c'est spécial. Hein. Les tigres. Mon fils adore les tigres, donc ça je vais lui faire. Hop, en priorité aussi. Ah, il y a le même avec du brillant que celui-là. En fait, le contour, il a un aspect brillant que vous ne voyez pas du tout à la caméra. Lui, il a des effets de goutte et pas lui. Alors, allons. Bah, je ferai les deux, ça je ferai ce que je préfère. Lui, il est vraiment particulier aussi. Oui, joli. Il est un peu particulier. Le cygne. Le tigre. Je ne vais pas le faire aussi que mon petit. Ah, le panda. Il l'avait dans sa chambre, celui-là, mon petit. Trop beau. Ah, lui, j'ai commencé, j'ai pas fini. Ah, bah bravo. Et le reste, il est où? lui, vous voyez, j'ai commencé et je ne l'ai pas fini. Donc, je ne sais pas où est le reste. Par contre, je le trouve magnifique. Donc, je vais chercher le reste. Trop beau. Celui-là, le des loups. Un peu spécieux. Un lion. Lui, je n'ai pas du tout aimé le faire. Lui, c'est le même. C'est le même. Le panda, c'est le même. Lui aussi, j'avais adoré. Vraiment chouette, celui-là. Trop beau, hein. Ah, lui, là. Oh là là. Lui, vous voyez, j'ai pas commencé. J'ai cru au toucher. Non, non, j'ai pas commencé, mais lui, je vais le faire. Oh, il est trop beau. Trop, trop beau, lui. Je vais le faire sous peu. Celui-là, je l'ai... C'est des... Quoique, je peux faire ça. Alors, attendez. Je l'ai en plein de fois, donc. Voilà. Parce que c'était tout des commandes. Et en fait, du coup, je l'ai en plein de fois. Vous voyez, ils se regardent. Et en fait, c'est des brillants. C'est des effets diamants, effets brillants.
Et ça, je l'ai pareil, je l'ai en plein de fois. C'était un hôtel, quelqu'un qui tenait un hôtel, qui me les avait commandés et qui, avant que je les commence, donc reçu, hein, je les avais déjà reçus. Elle m'a dit, non, au final, on change d'avis. Donc voilà. Est-ce que je l'ai bien pris? Je suis restée très polie quand même. Ça, c'est les mêmes que vous avez vus. Lui, vous ne l'avez pas vu. Très sympa. Lui, je ne sais plus si vous l'avez vu. Il est chouette, lui aussi. Très glamour. Le papillon. La famille licorne. lui aussi, je l'ai vendu plein de fois. Oh là là, terrible. Le carrosse de Cendrillon. Le dauphin. Voilà. Vous voyez que j'ai fini? Si, c'est bien que j'ai fini. Oui, il m'en manque un seul. Ça, vous l'avez déjà vu. Ah, lui aussi, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Et en fait, voilà. Le carrosse. Ah, lui aussi, je l'ai fait pas mal de fois. L'ours. Ah, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ah, celui-là, vous l'avez pas vu. Ah oui, il y a une période, en fait, j'avais des vases. J'en avais 4 de couleurs différentes. Et c'est pareil, ça partait bien. Enfin, ça partait bien. Genre, je les ai fait que pour les vendre. Non, non. En fait, j'en avais un de chaque qui était fait. Et si je voyais qu'il était fait, eh ben, j'en recommandais un et j'en faisais un où on passait commande. Ça, moi, j'aime bien. Lui, mais en fait, il est vachement glauque. L'effet gothique, c'est très particulier. Et lui, que j'adore. Très beau. Ça, c'est ceux qui sont à plat. Donc, qu'il aurait fallu que je les refasse parce qu'ils se sont bien vendus. J'ai celui-là à faire, qui est ma foi très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est version Cendrillon au manga, en fait. Celles qui connaissent. J'ai celui-là, vous l'avez vu. Le papillon, vous l'avez vu. Là, ça, vous l'avez vu. Hop. Là aussi, c'est bien ici. Vous voyez, j'en ai plein d'autres. Donc, ça ne fait pas grand chose. Ça, c'est les styles. Ah, il y a ceux-là que j'ai pas du tout fait. Mais comment est-ce que je vais vous les faire voir? Et je voulais presque faire ceux-là d'abord en priorité. Parce que c'est des diamants qui sont carrés. Parce que quand vous commandez, vous pouvez choisir les diamants. Enfin, il y a plusieurs différents. Soit vous commandez les diamants carrés. Et là, il faut vraiment que tout soit aligné, sinon c'est pas très beau. Soit vous commandez des diamants ronds. Et moi, j'aimais bien les diamants ronds parce que, voilà, l'irrégularité ne se voit pas. Au carré, vraiment, ça se voit. Et sans carré, à cette période-là, vous receviez comme ça. Alors, vous faire voir en transparence, qu'est-ce que ça donne? Moi, je ne me rappelle même plus. Hein. C'est quoi, en vrai? Ah, c'est une fleur. C'est une fleur, c'est une fleur avec... Non, c'est comme ça. C'est une fleur genre fuchsia avec un papillon par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y en avait un autre que j'avais qui est comme ça. Qui est... Je me demande si c'est pas le même, c'est la même couleur. Si, c'est le même. C'est le même, c'est le même. Hop. Si, si, c'est le même. Hop, on rattache. Ah bah. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que même l'élastique, il me dit non, mais non, c'est mort. Je me suis reposée trop longtemps. ça. Ah oui, ouais. Le petit pivert. Ça, c'est vraiment des tout petits petits. C'est quoi ça? Ah oui, mais là, je me demande même. Voilà. Il n'y a que la voiture. Lui, ah si lui était beau. Le pan, très très beau, très 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 beau. Lui,
Ah, la panthère noire. Alors, attendez. J'ai encore le truc dedans. La panthère noire. Celui-là. Ah bah lui sympa. Il me plaît bien. Lui. Je ne sais pas où est-ce que je le mettrai, mais. Voilà. Très très sympa. Très très sympa. Lui je le fais. Lui me plaît bien. Puis je sais à peu près où est-ce que je. Enfin, j'ai une petite idée, mais après, faut que j'y réfléchisse un petit peu plus. Lui, je voulais faire voir déplier. Lui, c'est la danseuse. Ah, ça, c'était le tigre dans l'eau. Alors. Oula. Ah. Vous voyez, en fait, dedans, vous avez tout le kit. Ça se met dans ce sens-là. Le tigre dans l'eau. Je pense que je vais lui faire un mur de diamond painting à mon petit. Avec les animaux. Il devrait bien aimer. Hop, et ça, c'est le chat. Hein. Ah, il y a le kit encore avec. Ouais, les trois petits chats. C'est vrai que le souci qu'il y a souvent les chats, vous avez vu, c'est petit, il y a beaucoup de violet quand même. Mais bon, mélanger au reste, ça va passer quand même. Ça, j'espère. Et. Ça, c'est pas celui-là que j'avais fait à ce type-là. Si, c'est ça. C'est le complet en fait. Tête de tigre complet que j'avais fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps, comme tout de toute façon. Tout prend du temps. Ben là, ça prend du temps. Et voilà, je crois que je vous ai tout fait voir. Ça, c'est des signes. Je crois, oui. Je vous ai tout fait voir ce que j'ai en diamant painting. Donc, il y en a un bon paquet, clairement. Par quoi est-ce que je vais commencer? J'ai envie d'en faire un qui me fait vraiment envie. Et je pense que ça va être celui-là. Je vais essayer de retrouver ce qui me manque là-dedans. Où c'est, surtout. Et si je retrouve, je continuerai dans celui-là. Très, très, très beau. Vraiment chouette. Et je me dis, c'est des diamètres qui passent sur mes pinces. Ouais. Ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Où je me ferai un pont de mur, moi aussi. J'en sais rien, en fait. C'est tout le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je peux en faire. Voilà. Eh bien, écoutez, officiellement, je vais commencer à essayer de trouver. Parce qu'en fait, j'ai changé d'emplacement d'atelier entre. Et il faut que je retrouve ce qui correspond à quoi. Si celui-là, je ne le retrouve pas. Après, est-ce qu'on est d'attaquer le bien gros, là continuer celui-là. Celui-là. Mais lui, il va me prendre 10 plombs, hein. Clairement, je pense qu'en 2024, je l'aurais fini. Pas bon. J'avais bien commencé, j'ai dû faire 3, 6, ben, les 10 premières ronces sont faites. Et ben là. Voilà, voilà, voilà. J'ai même envie de faire. J'en ai un autre tableau, mais il est suspendu. C'est une danseuse avec des grands voiles autour qui est vraiment en position de ballerine. Elle est super belle. Et voilà. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, je ne peux pas vous la faire voir, elle est déjà suspendue et je ne sais pas comment elle est accrochée. Alors, c'est que si j'enlève, je ne sais pas la remettre. Oh. Et bon, voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à m'encourager, c'est très chronophage, mais ça va me faire du bien la main. Donc, c'est parfait. À bientôt!